Mais c'est quand même une victoire, donc c'est bon. C'est pas une victoire parfaite, mais c'est une victoire. Tu connais les amulettes cœur, les acteurs qui font leur début ne jurent que par elles. Si tu en portes une, tu obtiendras 3 cœurs supplémentaires. Cool. Alors, est-ce que tu veux une amulette cœur? Ouais. Viens me la rendre lorsque tu estimeras ne plus en avoir besoin. Bah, il me la donne juste comme ça. C'était lui là, il fallait venir le voir. Le théâtre est vraiment lugubre là. Ah, une cliente. J'ai de merveilleuses robes à te proposer en échange de quelques pièces. Ah bah voilà à quoi servent les pièces. Va acheter des robes. Et pour toi, Stella, j'ai de jolis rubans. Tu devrais y jeter un œil. Moment shopping. Yep. Alors, Peach ou Stella? Peach. Ceci est une robe à pois. Rayée. Doublement rayée. Stella, elle est jolie. Mmh, celle-là aussi, elle est jolie. Ouh, on peut tourner et tout. Sous, j'ai 400 pièces. Vas-y. Ouais, j'achète. J'achète. Ouais, je vais la mettre tout de suite. Vas-y. Robe en dégradé. Et pour Stella? C'est juste, on change sa couleur. On va la mettre en bleu clair. Je trouve que ça lui va très bien. Ça coûte cher tout ça. Hein. C'est juste du cosmétique. Hein. Ça ne sert à rien. Mais moi j'aime bien les cosmétiques. Et bien voilà. Est-ce qu'elle est pas belle comme ça notre petite Peach? Du coup il nous en reste 2. On va partir sur celui-là. Western en contrée sauvage. Hey cowboy. Ça va? El cowboy. Attention. Et chargement. Ben ouais. Chargement, chargement, quoi. Pam. Ça veut dire que la pièce va commencer. Peach time. Peach time. Oh! Prenez tout ce... J'ai pas eu le temps. Ils ont tout pillé. Ces bandits sèment le chaos. La ville est en danger. Il faut qu'on les arrête. Tadam. Tadam. Western. Au vieux western, le saloon de la ville. Bah, te cache pas là-dessous, toi. Je me sens courageux tout d'un coup. Ok, du coup, il s'en va les poursuivre. Ok, on peut rentrer? On peut rentrer. Il y a plein de petits gars qui se cachent. Je ne vais pas rester là sans rien faire. Je vais tout récupérer. Vas-y. Je leur donne du courage. Je leur donne le courage de se battre contre les brigands. Ouais, j'essaye de taper partout, moi. Dans le doute, on tape partout. Maison suivante. Il y a un cactus. Ah! Attendez, faut faire fleurir les... En fait, les pots, il y a des cactus dedans. Il y a juste des cactus ici? Ah! Oh. Notre première étincelle. On va régler son compte à cette porte.
Tenez, je vous donne la force de régler son compte à cette porte. Yeha! Yeha! Et voilà, maintenant on peut les poursuivre. Bah, allons-y. Comment il y avait Stella qui brillait de façon bizarre là? Non? Ah si on peut monter. Attends! Ah mais c'est ça que j'entends. Waouh, ça rebondit beaucoup quand même ça. Donne les monnaies. Ok. Je viens de voir une étoile. Je m'inquiète pour les gens dans le saloon. Non mais attendez, j'ai vu une étoile. Il y a une étoile derrière les... Ouais, c'est quoi cette violence là? Dis donc, les mecs, ils me tirent dessus comme ça, au calme. Je suis désolée, mais moi je vais récupérer cette étoile. Hein. Un. Et voilà! C'est à moi ça! Ah mais reviennent! Ah mais reviennent dans l'infini! Aïe! Ok, ok. Ok. Tu veux aller là-haut? Ok. Je peux que je monte, je crois. Voilà, doucement, 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 doucement. Bah, il y a du monde là-haut. Ça rigole bien en plus, hein. Et toi, tu reviens par l'infini, j'espère. Ça va? Merci pour ton aide. Tu peux rentrer par là. Ok, rentrons par là. Entrons, entrons. Waouh, c'est moi où j'ai raté les escaliers? Waouh! J'ai même pas fait exprès! Oh, la petite glissade sur la rambarde! Ok, faut allumer la lumière. On allume la lumière. Lumière, es-tu là? Et ça me donne une étoile d'allumer la lumière. Bah, c'est cool. Il y en a encore une à allumer d'ailleurs. Attendez. Oh, ça crie, attendez, il y a encore une lumière à allumer. Bah, je peux pas lui parler. Et bah voilà, on y voit plus clair tout de suite, là. Bonjour. Par ici, derrière les tonneaux. Je vais avoir mon pouvoir, ma transformation, ma nouvelle tenue. Yeah. Attention. Attention, les amis, vous êtes prêts? Transformation de... Peach. Dans 5, 4, 3, 2, 1, transformation. Papam. Oh la classe. Peach Western. Yeah. Pourquoi ils ont mis Western? Pourquoi ils ont pas mis Peach Cowboy? Pourquoi ça s'élève tout de suite? Ok? Et je dois faire quoi, moi? Tu vas bien me distraire. Ok, super. Attendez, attendez. Pour attraper les tonneaux et le jeter. On peut attraper les gens et les jeter aussi. Ok! Yeah, on sauve les gens et en même temps, on tabasse les méchants. J'ai raté le tonneau. Bim! Non, reviens toi! J'en ai raté. J'ai raté une étoile. Ah non, ah non, non. Ceci n'est pas acceptable.
Mais non! Mais en plus, il y a des problèmes! Des problèmes techniques! Faites gaffe, je suis la cobaye la plus rapide! Wouh! Plein de vie! Mais j'en ai raté un! On va monter à cheval? Tiens, qui veut t'aider? Eh ben, allons-y! Youhou! Yeah! Ouais, je sens que ça va être chaud cette histoire. Ah ouais, ouais! On esquive les gens! On attrape les caisses! Oh, mince, j'ai raté déjà plein. Oh non, je rate tout! Oh non! Oh non! Oh non, je suis nul! J'ai tout foiré! C'est un foirage total et complet! Ah! C'est définitivement un foirage total et complet et total! Tu mortes? Faut sauter, hein! Il y avait un truc derrière moi quand même, j'ai pas raté une étincelle moi derrière. J'en ai raté une. Hein. Yahoo! Ah ouais, ouais, là c'est le foirage complet et total. Hein. là tu peux pas revenir en arrière, non? Bon. Bon. Viens te battre si t'es un cow-boy. J'aurais jamais cru que tu arriverais aussi loin. Bon, très bien. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Bim! Oh, comment elle l'a envoyé voler? Waouh! Ça, c'est pas du... À un moment, il se prend pour un taureau. Aïe! Aïe aïe! C'est bon, je gère, je gère. Ok, encore une fois, je pense que ce sera bon. Ah non, mais... Ouais, mais j'ai plus de vie. Ah non! Tum. Radiale tonneau. Ah non, je tire dans ses munitions, ça va pas. Tonneau. Ah non. Tonneau, on esquive. On esquive. Et là on jette. On le chope au lasso. Et bim. Ok, on en a raté 4 quand même. 4, ça fait beaucoup. Mais c'est une victoire quand même, donc c'est bon. Et on a raté le ruban aussi, on n'a pas eu le ruban. Ouais. Peut mieux faire. Peut carrément mieux faire. Suivant. Je suis peut-être pas une très bonne cow-boy. C'est pas grave, c'est pas grave. GG RIP. Ah, les GG plus le RIP. Ça, c'est beau. Ok, il en reste plus qu'un. Tu peux les refaire. Je pense qu'on peut les refaire. Hein.
Ouais, aller sur scène. Bah après, pour moi, on va pas refaire, mais à la limite, on les refera. Hein. Pourquoi pas essayer de faire le 100%? À mon avis, quand même, du premier coup, ça doit être compliqué de les faire tous à 100% au premier coup. À mon avis, c'est compliqué. Le festival des gâteaux. Cookie. C'est bon à savoir. Ouais. Après, on va déjà faire déjà ces quatre-là. Ça va sûrement débloquer des trucs après, hein. Donc on verra. Mais gâteau! Gâteau, gâteau! Le festival des gâteaux! Peach time! Peach time! Oh là! Oh, ils ont organisé un festival de gâteaux par ici. Les pâtissiers se préparent des gâteaux pour tout le monde se régale. Ça va trop vite. Y a des pièces dans les gâteaux. Donnez les pièces des gâteaux. Petit gâteau. Chouette, il n'y a pas de type masqué. Attendons au portail que le festival commence, je crois. Eh ben, on va attendre que ça commence. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de gens masqués, hein. Ça va commencer. C'est trop dur d'attendre. Des gâteaux. À vous tous les gâteaux! Non! Ils volent les gâteaux! Lâche ça! On n'a pas le droit de voler les gâteaux. Faut que je suive? Les gâteaux. Ils volent tous les gâteaux! Touchez pas au gâteau! Je le touche pas! Mais reviens! J'ai raté le dernier. Il a pris les gâteaux! Ils ont pris les gâteaux! Merci de les avoir arrêtés. Bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Tous ces biscuits, ils ont été volés. N'en reprenez espoir, les amis. Mais c'est pas gentil de voler les gâteaux, quand même. Allons chercher les ingrédients, vite! On va refaire les gâteaux. On va refaire des gâteaux, les amis. Eh, moi, ça va me donner envie de manger des gâteaux, cette histoire. Hein. Faut pas faire ça. Hein. Tous nos ingrédients, elles ne sont même pas mûres. Attendez un petit coup de ruban magique et puis c'est bon. Regardez, du bon blé. Faire de la farine. C'est fait. Là, oh, des fraises. Oh, on fait des gâteaux aux fraises. Oh oui, j'aime les fraises. La petite étoile juste au-dessus. J'ai déjà raté une étoile. J'ai raté la première, sérieusement. On vient d'arriver, j'ai déjà... Déjà foiré? Allons à la cuisine. Oh yeah. On va faire des gâteaux. Donne-moi ça, toi! Vous, ça va? Vous avez pas besoin d'aide? Faut pas rentrer là-dedans, non? Ok. Non, toi, je me suis occupée de toi. Allons faire des petits gâteaux. Ah, oh non. La chef, où est la chef? La chef, c'est moi. Ok, on va prendre le pouvoir de l'étincelle. Et une nouvelle transformation pour faire des gâteaux. On va faire des cookies. Cookies. Mais c'est qu'elle est toute choupine comme ça. Oh, sur un fraisier. Ah, mais non, mais sérieux. Pitch pâtissière. Cookies. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Je le voulais, mon cookie. Vraiment. Bah oui. Miaou! Mais c'est moi ou elle danse un petit peu là? Droite, gauche, droite, gauche.
Elle a la bonne humeur. Bah en même temps... On va faire des gâteaux. On peut être que de bonne humeur. Préparons les biscuits. Viens, viens avec nous, s'il te plaît. On va faire des gâteaux. Gâteaux. Fais des biscuits avec nous. Il en faut plein avant que le temps soit écoulé. Oh non, c'est un truc timé. Pose les biscuits que tu as fini sur le chariot. Commençons par faire une fournée test. Ok. Ouais, je regarde pas les commandes, ça va aller. Ok. Allez, c'est parti. On fait des gâteaux, on fait des gâteaux, on fait tout plein de gâteaux. Et on fonce. Faut faire ça vite, hein. On n'a pas le temps, il y a le festival qui va commencer. Attends, viens là, toi. Prends ça. Ready. Hop. Allez, 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 plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite pour les gâteaux, on a du temps. J'aime vraiment pas les trucs timés, moi. Pourquoi vous partez à chaque fois que j'arrive? Pourquoi il y a tout qui disparaît quand j'arrive? Laissez-moi faire des gâteaux! Laissez-moi faire des gâteaux, je vous ai dit! Oh non, il a explosé! Konnichiwa, Yumi, comment ça va? Oh non, 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 je fais n'importe quoi! Je foire tous mes gâteaux! J'y vais trop fort! Je cuis trop! Hein? Plein de gâteaux! Attendez, je peux le faire! Oh non. Ah, je crois que je me suis foirée. J'ai pas fait beaucoup de gâteaux. Ah, puis il y en a avoir beaucoup plus. Ah ouais, c'est le foirage complet. Regarde tout ce merveilleux, il y en a largement assez, merci. T'es sûr, hein, parce que moi je pense qu'on aurait pu en faire vachement plus, hein. Est-ce que tu peux encore nous aider? C'est pas fini? C'est bon, fini. Plus de gâteaux. Ouh! Là, il y a la pause. Attention! Ouh! Ouh, tout plein de pièces ici! Ah, avec une autre pause ici! Attention! Ah! Ah, je crois que ça m'emmène quelque part. Si, si, ça m'emmène quelque part. Cette fois, ça m'emmène quelque part. Gâteau supplémentaire? Gâteau bonus? Je vous fais un gâteau! En fait, je vous fais plein de gâteaux. Tenez! Moi, je vous donne les cadeaux. Les gâteaux. Pas cadeau, gâteau. Voilà, ils sont contents que je leur ai fait des gâteaux. Des gâteaux. Ouais, on est en plein dans les gâteaux, là. Ça c'est gâteau. Cookies, fraisiers, tout ce que vous voulez. Là, on est sur les gâteaux. Ah là! Oh, cette tenue. Ouais. Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Décore les gâteaux comme sur l'image. Dis-nous quand on peut que les amener. Attention. Ok, gâteau géant. Décoration de gâteau XXL. C'est parti. Bam. Là, on n'a pas à bouger, c'est beau. Et on en boit. Ça, c'est du gâteau. Et il y a une rose en chocolat sur le dessus. Ah, maman.
Tac. Tac. Avec un rond au milieu. Ok, mes trucs ils sont pas bons là? C'est peut-être lui, il y en a peut-être pas assez. Ok. Ton, ton, ton. Suivant. Oula. Ok, faudrait commencer comme ça. Plutôt bien là. On fait le contour. Ok. Le dernier, il est totalement foiré. Tout va bien. Je gère dans la décoration de gâteau. C'est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. C'est validé. Il reste 6 secondes, c'est validé. What? Lui il est pas validé. On n'a pas fait le dernier. Mais on a quand même fait des beaux gâteaux, non? Bah on en a raté un encore. Merci pour tous ces merveilleux gâteaux. J'avoue qu'ils sont beaux. Eh, franchement. Ça donne envie quand même ces petits gâteaux là, non? Attention parce que là en pâtisserie on peut pas faire grand chose mais on peut prendre la pause. Il y a des endroits où on risque de devoir prendre la pause. Pas un endroit là d'ailleurs? Si, bien sûr, il y en a un. Non, ça fait grossir. Bah ouais, mais c'est bon. C'est quand même bon les gâteaux. Money! Money, money! Ça donne faim, c'est clair. À venir pas manger des gâteaux ce soir. Par là, il y a... Si, il y a un truc. Il y a un truc. On me la fait pas, moi. Bon, c'est des pièces, c'est cool, mais j'aurais préféré des petites étoiles. C'est moi qui mets. Et boum. Et petite étoile. Ok, j'en ai raté 4. Par contre, la toute première, vraiment... Que le festival des gâteaux commence. Gâteaux pour tout le monde. Ouais. Des cookies pour tous. Le festival des cookies. Et j'ai raté le ruban. Oh, mais j'ai raté tout plein de trucs. Hein. Ah, mais je pense qu'on va les refaire quand même un petit peu. J'ai raté trop de choses. Hein. C'est pas permis tout ça. C'est pas permis de rater autant de choses. En vrai, je me demande si le truc de l'amulette là qui m'a donné l'autre pour me rajouter 3 cœurs, ce serait pas un truc genre pour simplifier le jeu. Il est quand même prévu pour des enfants. Donc c'est peut-être pour si c'est trop dur. Je vais peut-être lui demander de les retirer les 3 cœurs en plus. Ah mais j'avoue, il est trop choupi. Hein. Il est bien fait, il est mignon. Après, pas non plus extrêmement difficile pour les plus jeunes. Mais ouais. Mais même si on veut le faire à 100%, à mon avis, il est pas si facile que ça, quand même. Du coup, porte qui apparaît. Toi, en vrai... Ouais, je vais rendre l'amulette. Je pense que c'est pour un mode un peu plus facile. Tu es très courageuse, bonne chance, merci. Donc on va rester en mode difficile. Ou normal, plutôt. Bon, on va aller voir c'est quoi cette porte. C'est une porte très sombre, très violette.
Alors ces fils étaient connectés à cette porte. C'est peut-être elle qui met toute cette pagaille dans les pièces. Ok. C'est bizarre. Mon étincelle se renforce. Elle réagit peut-être à cette porte. Ok. Si on améliore mon pouvoir avec des gemmes d'étincelles, je pourrais peut-être l'ouvrir. Est-ce que tu peux me donner quelques germes d'étincelles que tu as ramassés? Donnez 10 germes d'étincelles. J'en ai 30, je pense que ça va, je peux lui en donner 10. Ça va, 30, on s'est plutôt bien débrouillé quand même. On a largement ce qu'il faut pour débloquer cette porte du coup. Allez, ouvre-la. Allez, ouvre la porte. Enfin, vous. Ouah, le chargement qui lag! Ça, c'est la Switch. Je pense pas que ce soit censé se déplacer aussi lentement, non? Je sais pas. C'est bizarre. Une vraie pâtissière. Oh, faut arrêter de parler de gâteau. Ok, une autre dimension. On est où? Une boule des discos? Une boule de disco, piaf. Excusez-moi. Vous êtes qui, vous? Et comment vous avez fait pour passer par cette porte? Bah écoute. Avec Dame Syrah, on réécrit vos histoires. Vous comptez nous en empêcher, c'est ça? Oui. Eh bien, je vais vous punir avec le pouvoir de l'étain sombre. L'étain sombre, ouais. De Dame Syrah. Ok. Disco plume. Tu me lances des boules de disco. Ok. Ah, attendez. Comme ça, non? Ouais. Ah non! Les boules de disco, elles ont éclos. Ah non, j'ai un peu la tête en bas là. C'est pas cool ça. Qu'est-ce que c'est? Ok. Qui c'est qui a retourné l'image quand même? Ah, comme ça c'est mieux, je préfère. Hein. Un quart de vie, j'en avais pas besoin, mais c'est pas grave. Ça se casse pas ça. Ouah, ça c'est dangereux, hein. Faut pas faire ce genre de choses. Ah, hein. Oh, je le sens mal. Ouais, je le sentais mal. Ah bah là, c'est pas... On danse pas vraiment, là. Je sais pas ce qu'on fait, mais... Tiens! Aïe. Oui, bah excusez-moi, j'ai la tête en bas, moi, c'est compliqué. C'est compliqué de faire les choses la tête en bas. Hein. Je tiens à vous le dire. Ah, je veux bien récupérer ce petit cœur, par contre. Ça, c'est gentil. Qu'est-ce que tu nous fais maintenant? Ah, on va repasser la tête en bas. Attention de pas se faire écraser par les blocs. Et je pense qu'on va monter. Hein. Toujours être. Ouais, il va nous refaire son histoire là. Voilà. On passe bien au-dessus. On gère. C'est quoi là? Ah nanana! Aïe! Non, non, dégagez les poussins. Pas de
poussin ici. Ah non, je l'ai totalement raté. Wouh, on va se faire écraser. Et on rechange de sens. Non mais... Eh... J'arrive à me tromper de touche, hein. Je tiens à vous le dire, hein. Je me plante dans mes touches. Allez, viens là. Viens là, le pigeon. Bim, le pigeon. Ok, alors, it's showtime, it's showtime. This is a showtime. Let's go. Bam, 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 bam. L'étage est devenu normal grâce à toi. Je ne sais pas comment te remercier. Cela dit, on n'a toujours pas vu l'étincelliste. Je me demande où ils sont bien plus... Allez, ça m'inquiète, pour tout avouer. Ils sont peut-être montés à un autre étage. Allons voir. Ok, du coup, on peut monter à un étage supérieur. Toi, tu me dis quoi? Ici, on répète la pièce de l'épéiste. Nous avons un peu de retard, je m'en excuse. Élimine autant d'ennemis que possible. Si tu subis des dégâts, la répétition se terminera. Tu recevras une récompense en fonction de ta performance. Alors, fais de ton mieux. Ah! Let's go. Let's go, les amis. Répétition de l'épéiste. On teste, hein? Il y a des trucs à gagner en plus. Oh, c'est ce passage-là en plus! Faut juste que je tape un maximum de gens ou il faut aussi que j'avance? En fait, le jeu il avance tout seul. Donc, faut que je tape un maximum de gens. Mais aussi que j'avance. Et ce, sans me faire toucher à aucun moment. Eh oh, calmez-vous, calmez-vous. Wouh! Ça va, toujours plus nombreux. Hein? Non! Non, la ronce, quoi! Voulez-vous réessayer? Bah oui, c'est la ronce, quoi, qui m'a tué. Pitch contre tous. Ouais, non, mais là, c'est ça. Ok. Pour un moment être prudent, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. L'erreur n'est pas autorisée. En plus, il faut vraiment que j'en tue un maximum. Il faut vraiment faire un gaffe aux ronces. Ça, c'est dangereux par contre de se mettre trop près de l'écran. C'est un coup à ce que... Je voyais pas certains mecs arriver. Waouh! Ok, venez les copains. Attention les ronces. Ça vient par derrière. Ah ok, surtout bien, c'est surtout les ronces qui me font peur, limite. Voilà, tout en douceur. Ouh, là c'est vraiment la... Oh, il y a tout le monde. Ah, c'est moi ou il me manquait pas grand chose pour être en or?
Je suis à 137 sur 140. Ouais, on réessaye. Allez, motivé. Motivé. Il en manquait un ou deux. Allez, on massacre vraiment. Faut vraiment massacrer tout le monde. Aucun survivant. Je sais pas si les ronces ça compte. Ça donne des points les ronces ou pas? Ok. Attention la ronce. Ah non, là j'y vois plus rien. Il est dans le dos. Non, ça donne pas de points les ronces. Hein. Ok. Non, je suis déjà autant au, à la fin du... Non. Non, en vrai, hey, oh. C'est chaud. Non, on va s'arrêter là. C'est chaud en vrai d'arriver au 140, je crois, c'est ça? C'était 140. Hey. On va voir ce qu'on a débloqué d'autre quand même. Ouais, 140, c'est le dernier. Hein. C'est pour avoir un ruban quand même. Ok. Toi, t'étais pas là avant. Où vais-je trouver le prochain? Oh, bonjour. Je suis là pour prendre des photos, des représentations. Je suis à la recherche d'une nouvelle personnalité qui resplendirait devant l'objectif. J'ai récemment pris des photos d'une pièce captivante. Jeune fille, ne serais-tu pas toi-même un peu actrice? Si, je t'avoue, je le suis un petit peu. Voilà. Alors j'espère que ça ne te dérangera pas que je te photographie quand tu brilles sur scène. Si tu obtiens toutes les gemmes d'étincelle pendant une pièce, je capturerai ton image. Et bien sûr, pour te remercier, je t'offrirai un album que je remplirai avec des photos de toi. J'ai hâte de voir tes prouesses. Album des exploits de Peach. Comment j'ai accès à l'album? Oh, je suis content de mon travail. Ton album se remplit. Jette-y un coup d'œil. Oh! Ah bah oui, du coup, on en a fait une. Waouh! Hey, regardez cette photo, elle est superbe. Lui, il fait son book. Ah bah écoute, faut bien. Hein. Oh, mais attendez, ça nous donne des indices, ça. Ça veut dire qu'il y a au moins 3 niveaux différents des pistes, 3 niveaux de ninja, 3 niveaux de cow-boy et 3 niveaux de pâtissier. Hmm. Ma garde-robe. Eh, j'ai une garde-robe. Rose classique, rose dégradée. On met la rose rose. Allez, on va mettre la rose rose parce que je sais pas où est-ce qu'on l'a débloqué, mais on l'a débloqué. Pourquoi j'ai encore un point d'exclamation sur les robes? Ah bah oui, parce qu'il y a aussi... Ouais, non, mais c'est bon. Ouais, du coup, faut que je les achète, les robes. Hein. Costume. Ok, j'ai donc tous mes costumes que j'ai débloqués jusqu'à présent. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir les personnaliser? Voilà. Oh, 30 millions de musique. Ah ouais, il y a vraiment 30 millions de musique. Ah ouais, ouais. Ok. Et films? C'est quoi les films?
Ok, c'est pour revoir les cinématiques, et donc les transformations sont des cinématiques, donc on peut les revoir quand bon nous semble. Oh, attendez, ça veut dire qu'il y a combien de cinématiques dans le jeu? Y a pas de chiffre. Oh non. On est déjà à 7 en tout cas. 7 sur je sais pas combien. Et toi, c'est toi qui nous donne le bidule machin chose, donc non. Est-ce qu'on a parlé à tout le monde là maintenant? Pam, 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 pam. Alors on va monter à l'étage, vous inquiétez pas. On va juste voir un petit peu lui ce qu'il vend. Mais je crois pas qu'il vende de nouvelles choses quand même. Oh! Oh la robe disco! Peach s'amuse bien quand Mario n'est pas là. Bah ouais! Non mais la robe disco! On met la robe disco. Elle coûte cher la robe disco. Ouais ouais, j'achète la robe disco. Vas-y, je la mets. On met la robe disco. Et toi, t'as rien de nouveau? Ah mais oui, mais en même temps, c'est les rubans. Les rubans, c'est ses rubans à lui ou c'est des robes? Non, je crois que c'est pour les deux. C'est pour ça que je débloque rien. Mais j'ai eu la robe disco. Eh! Eh! Avant de monter, on va descendre. J'aimerais bien voir si on a débloqué quelque chose au sous-sol. Je sais pas si le sous-sol, ils nous en ont pas encore parlé. Il y a une atmosphère étrange pour l'instant. Oui, bah... C'est peut-être pour la fin du jeu, ça. Enfin, fin milieu du jeu, quoi. Ah, non, on a rien débloqué ici. Après, on nous en a pas encore parlé du sous-sol, donc... Pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils veulent qu'on monte. Donc... On va monter. Pam, 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 pam. En vrai, à voir un petit peu ce que ça donne par la suite, mais il y a peut-être moyen qu'on essaye de faire un 100% dessus. Hein. Ça pourrait être pas mal. Hein. Est-ce que ça va? Mais que s'est-il passé? Je sais pas, moi. L'épéiste détective résoudrait ce mystère. Là, il y a un patin à glace. Oh, j'aime le patin à glace. Alors, c'est ça, Princesse Safi, ou je m'y connais pas. Bonsoir, bonsoir, Troglo. Princesse Safi. Mais non, c'est Princesse Peach en robe disco, en plus. Ok, du coup, on a un niveau. Je pense que ça, c'est avec l'épéiste. Ça, c'est... Je sais pas. Mais moi, c'est celui-là qui me... Eh, il y a un patin à glace. Une fleur de neige sur la glace. J'y vais tout de suite. Bon, du coup, on a débloqué 4 nouveaux niveaux.